Si tu es heureux de passer dans ma noix, les autochtones vivaient proche du Blémet. Wow. En 1850, les Européens auraient emmené la varicelle, ce qui aurait décimé la population. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oui, un instant. Un bûcheron dormi cet armement se serait rendu là-bas pour raconter la légende, mais il ne serait jamais revenu. Un jour, les explorateurs l'auraient retrouvé dans une cabane brûlée avec son labrador devenu fou. Un chien courait après sa queue et attaquait les arbres. Les explorateurs étaient là-bas. Désolée. Depuis ce jour, certains racontent avoir vu les squelettes sortir de leur tombeau, recouverts d'un beau spectre, aller danser une danse païenne sous la lune pour demander au grand esprit de la nature de punir ses ennemis. Donc, en 1870, le lac fut nommé Lac Tombeau. Merci.